belle découverte. Nous sommes au port de Boulbinet, dans la presqu'île de Kaloum, en partant vers un lieu que vous connaissez peut-être de nom ou que vous avez même visité. Les îles de Los, Kassa, Kotoba, Roub, ça vous dit? Si vous les avez déjà visitées, je vous raconterai leur histoire. Et si vous n'y avez jamais mis pied, alors je vous donnerai l'envie de faire un tour dans ce lieu paradisiaque. Tenez-vous bien, la traversée se fait uniquement par voie maritime. Alors pour ceux qui ont le mal de mer, commencez déjà à nager. Le ciel est très beau, la mer très calme. D'abord, il faut retenir que les îles de Los sont composées de trois principales îles habitées. Nous avons Fotoba, Kassa et Roum. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'île Fotoba. Nous avons trois principaux villages à découvrir ensemble. Le village de Boum, Rogbané et Fotoba où nous sommes exactement. Comme vous le voyez, chers téléspectateurs, on est très gâtés parce qu'on a parmi nous plusieurs guides qui vont nous faire découvrir cette île peu visitée, pourtant à l'état naturel. D'où vient le nom île de Los? Le nom île de Los vient du mot portugais. Pedro de Sintra, un explorateur portugais, abordant le littoral guinéen au 15e siècle, a pu donner le nom Ilhas dos Ídolos, île des idoles. Par contradiction, on a donné le nom île de Los. Le nom Fotoba, c'est un mot mandin qui signifie Fotoba, débarcadère en pleine mer. Et Rogbané aussi un mot mandin, un lieu de rencontre. Et Boum également, la source d'eau. Nous sommes en partance vers un lieu respecté des habitants de Fotoba, la tombe de Wali de Gomba. Et c'est ce chemin ombragé que nous allons emprunter. Nous sommes maintenant sur la tombe de Wali de Gomba. Mais qui était Wali de Gomba? Wali de Gomba, c'était quelqu'un qui était contre la colonisation. Comme il y a eu l'entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne, le 2 mai 1905, les Anglais ont passé par la France pour mettre main sur le dernier. Voilà, sur Wali de Gomba. On l'a maintenant ramené en Guinée et le faire emprisonné à Fotoba. Dès qu'il est mort, son mien aussi est mort. Le même jour. Lui, c'était un homme spécial. Donc, dès qu'ils l'ont enterré, me paraît, ils ont mis des cailloux, des blocs là. Pour ne pas qu'il s'échappe. Les Français croyaient, comme il est enterré, il va s'échapper. Raison pour laquelle ils ont construit cette sentinelle. Cette sentinelle qui était gardée par un garde. اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. Nous sommes maintenant au cimetière des chrétiens et ici les tombes sont disposées par famille. Comme par exemple vous avez les tombes de la famille Makolé, un tout de suite Hervé, Madi, Red, comme vous le voyez. Il est bon de nous aider, alléluia, nous aider, alléluia, nous aider, alléluia.